1er janvier 2016, l'année commence par une sortie chamois. La sortie chamois, c'est courir dans les talus, mais avec les potes. Lui, c'est Chicken Run, le roi de la bonne humeur. Et lui, c'est Vieux Grig, un skieur de génie. Le jeu consiste à courir en montagne, mais sans aller à la faute. Légère prise de conscience que la chute est fatale. Concentré. Et où le chamois ? Sylvain, saute pas en train, Sylvain! Mais si l'hiver est propice à l'amusement, c'est pour une question d'équilibre que Sylvain se lâche lors de ses récréations. Car au quotidien, l'entraînement est bien calé. En ce début d'hiver, un objectif lui tient à cœur, une parenthèse avant de retrouver les sentiers de l'entraînement au trail. Ouais, donc ça c'est le fichier d'entraînement que je partage avec mon entraîneur qui propose. Où chacun de notre côté on peut intervenir en réel. L'objectif en fin de semaine, 10 km de la prom classique. Aujourd'hui, la séance du jour, donc 5 x 800, une séance de VMA sur la piste, avec récup 1h30 entre chaque. En gros, le déroulé, donc, on partira sur 20 minutes d'échauffement. Donc, à allure footing vraiment très modéré au début et puis évolutif sur la fin, à partir de 15 minutes jusqu'à 20 minutes, une allure un petit peu plus soutenue pour petit à petit monter le cardio. Et à partir de 20 minutes, j'entamerai tout ce qu'on appelle le col de course, quelques gammes d'athlètes. Voilà, ce sera tout ce qui est talons-fesses, montée de genoux, foulée dans glissante, quelques petits griffés de sol. Michael Jackson, il faisait pas le moonwalk comme ça. Pour terminer, entre 25 et 30 minutes, juste avant les 800, on sera sur 4 lignes droites. Donc au départ, en petit footing, puis petit à petit en fin de ligne droite, en sprint à 22-23 km/h, un sprint bien tonique. Et après, je me laisse en gros une ou deux minutes avant d'attaquer les 800. À chaque fois, c'est la motivation d'essayer de péter le chrono des 800 que j'avais fait peut-être il y a un ou deux mois. Quoi. Faut essayer de casser la baraque. Allez, c'est pour dimanche ça. Allez. Désolé, ça va piquer, mais ça qui est bon. Dimanche 10 janvier. Sur la promenade des Anglais, aujourd'hui le thème n'est pas à la balade. Record perso ici même en 32-14 sur 10 km, la prom classique est une course de référence sur cette distance. Au top mondial sur du trail longue distance, ici Sylvain n'est pas dans son élément et la densité est énorme, il faut faire moins de 32-30 pour être dans les 100 premiers. Les fauteuils ouvrent la route, 5 km jusqu'à l'aéroport, puis 5 de retour. Attention, les avions de chasse vont s'élancer. 10h, ce sont 10 000 coureurs qui s'élancent. En tête de course, le rythme est énorme, autour des 2,54 au kilomètre. Derrière, Sylvain est parti très fort, 3 minutes au premier kill, puis les 3 suivants en 3,05. La tête arrive au 5e kilomètre et le demi-tour qui va avec, 14,24 pour les premiers. 15,23 au 5e kill, Sylvain a fait fort,
Il faut tout donner pour essayer de tenir le rythme. Le vainqueur Johan Durand bat son record perso, soit 28-56. Et quant à Sylvain... 31-47. Ah, ça a gagné du temps. 30 secondes. Ah, c'est bien, c'est bien. Ça sent le repos, et pendant que les grands esprits du trail se rencontrent, les coureurs arrivent peu à peu pour aller se ravitailler en boissons énergétiques. Un petit Ricard, s'il vous plaît. Ah, il y en a qui perdent pas le sud. Côté podium pour les femmes... Innovation, messieurs dames, pour Fanny Prevost, RCRAS. Victoire en 33-15. Et chez les hommes... Johan Durand, 28-56. Deuxième Hassan Chadi et troisième Pierre Lecor. Pendant ce temps-là sur le parcours, les derniers nous rappellent les valeurs du sport. À chacun son chrono, à chacun sa victoire. Quant à Sylvain, record battu de 30 secondes, soit 31-48. Alors un petit bain avant d'aller attraper les piolets. Les piolets. Et oui, là ça change d'ambiance. On est mi-janvier et c'est l'heure de la récré. Un peu de crapahute, de ramonage de cheminée, toujours avec le sourire. Il paraît que le progrès passe aussi par la polyvalence. Et le plaisir est le meilleur carburant pour le moral. Et le moral, ben, il est pas prêt de le perdre. Sylvain Court, aussi surnommé le renard, va redescendre de son perchoir, rejoindre les sentiers de trail et en route pour une saison 2016. Allez, cours, renard, cours!